the chemicals. Whoa. I wake it up, I feel it in my bones. Don't let my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Radioactive, radioactive. Baby. Maintenant, on va essayer de motiver les collègues. Je pense qu'on va faire un gros tournoi. On a les supporters qu'il faut, l'ambiance qu'il faut. Attention, on est venu là pour gagner. On a un plan de okay. On a comme, pas trop de stratégie. On va improviser, mais on est là pour gagner, ça c'est sûr. Là, vous êtes en présence de l'équipe qui va gagner le tournoi, je vous l'ai dit. Donc si vous voulez des autographes, etc., on verra plus tard parce qu'on n'a pas de stylo déjà. L'étoile, voilà. L'étoile, on m'a demandé de montrer l'étoile, voilà. Vous avez vu quand même, mais on va essayer quand même d'être très sérieux, très efficace aussi peut-être sur certaines phases offensives parce qu'on a des jeunes. L'équipe est au top, ouais, on est bien. Je pense qu'on va faire une bonne prestation et puis on verra quoi. Tournoi, ben une belle journée, un très beau terrain, l'habitude de tous les ans de renouveler l'expérience. Voilà, il fait un très bon état d'esprit, beaucoup de fair play et donc tout devrait bien se passer. Pour moi, c'est extraordinaire puisque je suis nouveau Marseillais, si je peux dire. Alors, c'est une activité exceptionnelle et une organisation avec Jean-Christophe Marquet exceptionnelle. Ancien joueur professionnel pendant 22 ans et aujourd'hui à la mairie de Nice où je suis adjoint du maire et chargé des grands événements sportifs. Le lieu est magique et c'est un lieu, comment dirais-je, si beau, si rempli d'histoire, c'est mythique, enfin je veux dire voilà, tout est réuni
pour que chaque manifestation dans ce lieu soit marquée chaque année d'une pierre. Voilà. Alors nous, on a eu la chance de connaître les 8 épisodes du Master des Entreprises. Donc on a connu le stade ancienne version, nouvelle version. C'est un superbe écrin, c'est un superbe bijou. Ah, c'est extraordinaire de pouvoir évoluer dans ce stade mythique. Écoutez, on est fiers de pouvoir disposer d'un superbe stade comme ça pour un tournoi des entreprises. On voit la qualité de la pelouse qui est super pour jouer aujourd'hui. L'équipe Radisson, en forme ? En forme, ça va. 2 matchs, 2 victoires, c'est bien. 2 matchs de victoire, vous allez gagner la coupe. On espère. Bah, super tournoi, on a déjà gagné un match, donc je pense pas qu'on finisse dernier sur cette poule. Bonne ambiance, on voit des joueurs pros, enfin des anciens joueurs pros, et c'est cool. Et voilà, je suis très content, tout le monde est très content. Guillaume, gardien pour la 2e année consécutive pour l'équipe d'Arema. Un stade magnifique, donc c'est vrai que comme l'a dit Vincent, c'est vraiment un privilège de pouvoir jouer sur le terrain du Stade Vélodrome. Donc on se régale, on profite à fond et on espère aller le plus loin possible comme l'année dernière, au moins en finale. Jean-Christophe Marquet, je l'ai vu débuter à l'Olympique de Marseille. On a fait la remontée ensemble en Ligue 1. Voilà, maintenant il a pris une autre direction et tout ce qu'il fait sur Marseille avec sa société. Et vous voyez aujourd'hui, c'est magnifique et chaque année, c'est de mieux en mieux. Alors, ce que le Master des Entreprises à Marseille, quand il y a la foire de Marseille, quand il y a le Master des Entreprises, c'est le début de l'année économique. Ce qui est essentiel aussi, c'est que nous devenions Marseille, capitale européenne du sport. Et l'adjoint au sport s'est beaucoup occupé de ça, monsieur Richard Miron. Et aujourd'hui, nous avons la visite aussi du président du jury, Gianfrancesco Lupatelli, qui est une personnalité italienne qui préside ce jury. Alors dans le jury, vous avez quelqu'un de Prague là, qui était là avec nous tout à l'heure, ou les représentants de Glasgow, beaucoup de monde. Tout le monde est ébloui par le magnifique stade que nous avons fait construire. Je crois que tout le monde est content et la pelouse, c'est très bien aussi. L'adjoint au sport, il joue au foot. Moi, rarement. Mais d'abord, le foot c'est le premier sport pratiqué à Marseille, c'est pas un sport ici, c'est quasiment une religion. Et je trouve que l'initiative de Jean-Christophe Marquet est une initiative majeure, dans la mesure où il fait à la fois le tournoi de la Champions Cup pour les enfants et un tournoi pour les entreprises, donc qui, comme l'a dit le maire, démarre à la saison économique. Donc c'est bien que le monde de l'entreprise, dans le cadre d'une compétition amicale, conviviale, festive, puisse bien être à l'honneur. C'était une bonne initiative menée par un champion de football reconnu et un excellent organisateur. Il y a Marseille candidate capitale urbaine du sport. Le sport est dans tous nos accords de coopération.
Nous avons eu énormément de villes, de partenaires qui ont répondu favorablement pour venir nous soutenir. Nous avons eu donc l'Eurosport Forum qui a très très bien marché et une forte mobilisation pour dire que Marseille, eh bien, on est les meilleurs et que surtout on devrait avoir capitale européenne du sport parce qu'ici on sait faire du sport, on sait mettre le sport à l'honneur et surtout c'est un merveilleux facteur à la fois d'intégration mais c'est aussi un facteur de développement économique. Toute l'initiative de mobilisation des forces vives de Marseille qu'a réussi à créer Jean-Christophe Marquet, qui est remarquable parce que ces forces vives, ce sont elles qui font avancer Marseille, qui créent de l'emploi, qui créent du lien. Et on sait que pour faire du business, il faut des réseaux. Alors il y a certains, le business, les réseaux, ce sont des mots horribles. Mais la réalité, c'est que quand on encourage ça, c'est pas le patron qu'on encourage. C'est l'emploi, c'est les entreprises et tous ceux qui viennent travailler dans les entreprises. Et comme tout le monde ne peut pas être fonctionnaire dans un pays, parce qu'il faut bien des privés qui payent les fonctionnaires, bien les initiatives de Jean-Christophe Marquet sont remarquables. Elles ont le soutien de la ville de Marseille, de son maire Jean-Claude Gaudin, et modestement le maire des 6e et 8e arrondissements, quand il a le plaisir de voir ses amis entrepreneurs au cœur de ce merveilleux stade Vélodrome, ce nouvel objet monde que nous avons voulu pour Marseille, eh bien, c'est la preuve que Marseille avance. Eh bien, Maurice Dinocera, je suis adjoint au maire, délégué aux grands événements, et c'en est un aujourd'hui, et aux grands équipements, dont le stade Vélodrome, ce magnifique stade qui est là, que vous voyez, qui est fantastique et magnifique. Ça fait des années hein, qu'on accueille cet événement. Pendant 2 ans, ça a été le seul événement d'ailleurs que j'ai autorisé en dehors des matchs de l'OM parce qu'on avait déjà assez de contraintes avec les matchs de l'OM. Et moi, j'ai toujours tenu à accueillir le Master. D'abord parce que Jean-Christophe Marquet est quelqu'un qui travaille bien et qu'on apprécie, à titre personnel aussi. Mais ça fait pas le fait d'avoir des copains ou des amis, ça règle pas tout. C'était aussi une démarche importante pour nous de montrer aux entreprises de la région qu'on peut faire autre chose dans le stade que venir regarder les matchs de l'OM. Après le repas de pouvoir enchaîner. En plus on a joué le premier match, donc c'était pas évident, non, mais c'est toujours agréable de se retrouver ici. D'enchaîner des matchs avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'ils sont là aussi pour s'amuser, pour s'éclater au stade de Vélodrome. On a limité la casse on va dire. Ouais. On a fait un match nul, donc voilà, il nous reste un match derrière pour finir les phases de poule.
pas cher de nous, mais on est allé au bout. C'est une grande aventure pour le président qui le mérite. Je crois que c'est sa deuxième victoire. C'est ma deuxième victoire. C'est sa deuxième victoire. On lui avait promis un mélange d'anciens et de jeunes. Mais les valeurs sont là, on l'a fait. Et on est très heureux. Et bravo aux autres aussi. On veut un petit mot du président. Président, c'était une super journée. On a passé un grand moment. On s'est régalé. C'était exceptionnel. Une équipe formidable. Un endroit magique. On ne pouvait pas rêver mieux. Bravo à tous. Et c'était que du bonheur. La prime, la prime. Merci le club des Masters. Ouais, le mot de la fin, ben voilà, on a été quand même en finale. Donc nous sommes contents d'avoir été en finale. On a combattu une équipe BM Sud ou Grand Sud qui était d'attaque. Voilà, le choix a été fait. On est quand même fiers de notre deuxième place. Très satisfait de ce 8e Master des Entreprises. On en rêvait, on l'a réalisé. Et offrir ce spectacle à toutes ces sociétés, c'est un grand plaisir. Ça résume exactement ce qu'est le Club des Masters, parce que le Club des Masters représente 11 événements par an, dont l'événement d'aujourd'hui. Mais vraiment, déjà remercier toutes les sociétés qui nous font confiance. Et premièrement la ville de Marseille. On a eu aujourd'hui une délégation qui résume un petit peu l'ampleur que prend le Master de football. La délégation du jury Capitale Européenne du Sport avec le maire de Marseille qui a choisi notre événement pour montrer un petit peu tout ce qui se passe à Marseille. C'est quelque chose de valorisant et c'est un grand honneur. Remercier toute l'équipe marketing. Et puis voilà, il y a beaucoup de remerciements à faire, mais quand on voit le bonheur que ça véhicule sur les sociétés, ça donne vraiment envie de continuer, je pense, beaucoup d'années avec d'autres événements, mais ça restera quand même l'événement le plus important du Club des Masters. Et j'en suis fier 8 ans après.